Le tout premier rapport du Centre national d'études stratégiques, CNS, a été remis au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Un document qui fait le point des activités du centre depuis sa création en 2020. Cette réception a eu lieu le lundi 3 avril 2023 à Ouagadougou. Le bilan de nos activités, tel que présenté dans ce rapport, fait ressortir certains acquis, notamment la conduite des travaux d'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme que le centre a assuré en 2020-2021. Il y a aussi, plus récemment, 5 études qui ont été réalisées par le centre avec la collaboration d'un certain nombre d'experts et de chercheurs. Le rapport présente aussi des partenariats développés par le CNS avec des structures de recherche, des partenaires au niveau sous-régional. Nous sommes venus donc soumettre au chef de l'État un plaidoyer pour un appui institutionnel plus fort pour permettre au centre d'accomplir au mieux son rôle d'anticipation et d'aide à la prise des décisions. Et le chef de l'État nous a donné aussi quelques orientations pour des réflexions liées au contexte stratégique actuel. Et nous allons donc nous atteler à exécuter cette instruction. La remise de ce rapport s'inscrit dans les prescriptions qui régissent le fonctionnement du Centre national d'études stratégiques qui oblige le directeur général à remettre chaque année un rapport au chef de l'État.